Eh bien le bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour trouver une solution à mon dernier problème dans ma survie hardcore. Si vous ne savez pas de quoi je parle, laissez-moi vous mettre au courant. Pour la petite histoire, je suis quelqu'un qui hésite assez à changer de version de Minecraft. Pour savoir qu'à chaque mise à jour, ayant un monde qui date de plusieurs années, c'est un petit peu épeurant de faire la mise à jour, d'avoir les nouveautés et de savoir qu'est-ce qui ne marchera plus, qu'est-ce qui sera brisé dans son monde. Surtout que des fois, il y a des choses qui ne brisent pas pendant des années, et il y a des choses qui brisent presque à chaque mise à jour. Bon. Pour le coup, le temps a passé, mes mods sont sortis à jour pour la 1.20.4, je me suis dit alors, c'est le temps, j'ai fait le pas, et dans la dernière mise à jour des 3800 jours, j'ai dit que j'ai passé en 1.20.4. Et malgré que j'ai pris quand même quelques précautions, car j'étais au courant que les enchantements n'allaient pas pouvoir se faire aussi facilement 1.24 et j'ai fait le centre de trading avant, et bien quelque chose de complètement inattendu s'est brisé depuis que j'ai fait la mise à jour. Et c'est malheureusement quelque chose qui met frein à absolument tous mes projets parce que c'est à la base même ce qu'il me faut pour tout faire. Juste avant de vous dire c'est quoi, n'oubliez pas un petit like, un petit commentaire et de vous abonner. On approche déjà des 7200 abonnés, donc si vous voulez rejoindre la famille, c'est maintenant et c'est très apprécié. Je m'en suis rendu compte juste ici parce que comme je vous l'ai dit dans les 3800 jours, mon objectif pour les prochains temps, c'est surtout de polir mon monde pour réussir à avoir un monde qui est un peu plus beau esthétiquement et surtout quelque chose qui, moi, j'apprécie mieux. Et pour le coup, ben, il va falloir faire beaucoup de terraforming. Beaucoup de terraforming, ça veut dire beaucoup d'utilisation des outils. Ce qui veut dire, et oui, que si je ne les répare pas, très bientôt, on n'aura plus de quoi avoir d'outils dans le monde. Et à sachant que les netherites, les upgrades, ça coûte assez cher. Et si je veux me concentrer un jour sur la balise en netherite, gaspiller ma netherite ne sera pas une option. Donc, qu'est-ce qui me reste? Une chance que j'ai une bonne petite ferme à Enderman. What? Ça y est, j'ai triché dans mon monde, on peut dire. Ok. Je viens d'avoir un petit problème technique, si on peut dire. Mon monde a juste fermé de manière inattendue. Et je me suis reconnecté. Et regardez-moi ça. Je viens de dropper mes droppers. Ici, j'en avais 32. Ici, j'en ai encore 32. Donc, j'ai dupliqué mes droppers. Et on peut dire, ouh, c'est positif. Et en plus, est-ce que ça m'a aussi gardé, mais ça l'a pas gardé. Bon, pour l'instant, il y a du positif, mais attendez, cette deuxième choqueuille est complètement vide. Je vais aller chercher donc ce qui manque. Ben non, et ça a tout disparu. J'avais plein de petites carpettes rouges et ça a tout disparu. Tout ce qui me reste, c'est les 33 Red Bull, mais je viens d'en utiliser 3 stacks. Donc, petite triste moment. On paie à l'âme des quelques wool et merci aux droppers. On peut dire que le bug a servi, en espérant ça corrompt pas mon monde. Hein. Plus qu'on a de petits incidents comme ça, plus que la corruption de mon monde est proche. Là, c'est peut-être le moment où les plus futés se sont rendus compte pourquoi est-ce que je prépare des shulkers avec plein d'instruments et que je me suis dit que j'allais vers ma ferme à Enderman. Puisqu'effectivement, c'est ma petite ferme à Enderman que j'ai fait il y a plus de 1000 jours. Plus de 2000 jours. Plus de 2500 jours. Elle est vieille quand même. Que j'ai toujours eu confiance, qui m'a toujours aidé, qui a toujours fait en sorte que j'aille beaucoup d'XP, que je puisse avoir des outils en pleine santé. Eh bien, la 1.24 a décidé de la détruire. Pourquoi? J'ai aucune idée. Mais moi, je me dis, c'est une opportunité, puisque depuis que je l'ai construit, vous m'avez fait rendre compte que j'avais fait une erreur flagrante avec celle-ci. Mon monde a l'air intact après cette coupure. On va juste faire notre backup des 3800 jours. Hein. J'ai oublié de le faire, donc 3803 jours, c'est maintenant. Salut, autre ferme brisée. On se reverra peut-être un T4. J'aime pas mal la nouvelle ambiance que j'ai fait avec les shaders. J'utilise toujours Complementary, mais j'ai changé un petit peu les settings. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires si jamais vous avez votre opinion, si c'est mieux qu'avant ou pareil. Alors analysons les problèmes avec ma ferme. Il y en a un qui est beaucoup plus flagrant et qui est là depuis le tout début, même quand il marchait comme il se doit, parce que dès qu'on a fait le premier serveur, je pense, il y a quelqu'un qui a reproduit à peu près la même sorte de ferme, sauf qu'il a été plus intelligent que moi, hein. Vous l'avez fait que ce soit un insta-kill, donc en un seul coup on tuait les mobs, tandis que moi, brillant comme je suis, j'ai fait en sorte qu'on devait les taper plusieurs fois. Donc ça faisait en sorte que ma ferme perdait énormément en rendement à comparer des vôtres, même si ça restait pas la fin du monde. Donc, si on est pour réparer la mienne, on va totalement le changer. Donc c'est pour ça, on a une opportunité d'améliorer mon monde avec cette petite brisure. Parce que la brisure qui s'est passée, comme on peut le voir, tous les Endermen sont apparus, mais il n'y en a aucun qui va pour l'Endermite. Ça, c'est parce que dès la première seconde que je suis rentré en 1.20.4,
Il y a Enderman qui a réussi à se rendre et à tuer l'Endermite. D'après moi, c'est à cause qu'ils ont changé un peu les hitbox. Avec le chameau qui est arrivé, ils ont dû changer quelques hitbox pour que ça ait plus de sens pour les hits. Mais ça fait en sorte que ben, l'Endermite, elle a souffert immédiatement. Donc, ce qui me reste avec juste un groupe d'Endermen un peu inutile et une Endermite morte. Moi, ce que je vais en faire, ben, je vais utiliser hein, l'opportunité. Je vais pouvoir construire une nouvelle ferme par-dessus celle-ci. Parce que j'ai déjà le pont, j'ai déjà tout ce qui est enchantement, coffre et tout. Donc moi, je vais pouvoir garder le tout. Mais on va la rendre one shot. Donc on va pouvoir aller en hauteur. Et si j'ai réussi à ne pas me lancer dans le vide, on va pouvoir commencer la construction de celle-ci. Bon, pour moi, ça va être une bonne petite étape à faire. Pour vous, ça va être un petit time-lapse. Jusqu'à ce que je me rende compte qu'effectivement, il me manque quelques petits objets. Il manque une chaîne, il me manque des coffres. Donc, vous allez venir avec moi et on va aller compléter la ferme. Mais ça avance assez bien. Pour vrai, j'ai espoir. Quelques coffres, quelques chaînes et je devrais avoir tout ce dont on peut avoir besoin. Peut-être, ah non, c'est vrai, il manquait aussi une raille. Donc, une petite raille, voilà. Une. Les deux, au cas où que je l'échappe dans l'end. Et on devrait être bon. Ça serait tellement pratique si je pouvais instantanément amener le portail de l'end jusqu'à chez moi. J'ai placé des carpettes un peu partout en espérant qu'il n'y ait pas trop d'Endermen qui apparaissent. Bah, on est bien, regardez-moi ça, c'est parfait. Sauf qu'après 3 stacks de perles, la Endermite que je venais de mettre le name tag dessus a décidé de se suicider en essayant de me taper. Ça me tape un peu sous les nerfs. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il me reste un seul name tag. Donc, si par pure malchance, il décide de se retuer l'Endermite, je n'ai plus de quoi en faire un autre. Nous allons quand même honorer Pierre. Hein, et on va nommer Pierre le second. En espérant qu'il vit plus que 30 secondes. Pour la prise numéro 2, je me suis pris une petite armure sans torne. Donc, on n'aura pas de problème de Pierre qui décide de faire la gueule. Mission réussie! Bon, un totem plus tard, 3 Endermites qui ne veulent pas aller dans le petit wagon. Ça commence à être assez horrible. Eureka! J'ai réussi. Ne me demandez pas pourquoi on est rendu avec Pierre 3, mais regardez-moi tout ça. Et qu'est-ce qui se passe? En à peine quelques coups. On se récolte toute l'XP du monde et ça va. Bon, ça vient juste de tout réparer, je gagne déjà de l'expérience. Oh là là, que ça va faire plaisir! Enfin, je vais pouvoir réparer mes outils. Oh, j'ai vu un. Oh là là! Va peut-être falloir réparer un petit peu où ce que ça spawn. Au final, il marche super bien. J'ai réussi à tout réparer. Il me reste encore quelques petites modifs à faire sur la ferme, mais ça va être pour être une autre fois. Parce que bientôt j'arrive dans l'arc de polissage de mon monde. Mais pour réussir à polir le monde, j'ai besoin de pouvoir réparer mes outils. Et pour l'instant, ceci me suffit amplement. Nous revoilà à la maison où je vais pouvoir me concentrer sur la suite en paix. Et me voilà donc encore une fois de retour ici. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et que ça a été un petit plaisir partagé de venir réparer la petite gaffe qui a été depuis que j'ai mis mon monde à jour. Et sinon, je tenais encore une fois à vous remercier. Là, on le voit pas, mais hier a été... bon, la vidéo d'hier vous a pas mal plu. Donc, on arrive déjà bientôt aux 7200 abonnés. Donc, si vous voulez rejoindre la famille, c'est maintenant. Laissez un petit like et un commentaire. Je vais répondre à tous. Allez, n'oubliez pas de m'avoir regardé la vidéo. Et comme à l'habitude, je vous souhaite une bonne fin de journée, bonne fin de soirée. Mais surtout, à la prochaine.